Bonjour, je suis Rachel Tunia, auteure, écrivaine de The Bridge Books, éditrice et propriétaire de The Bridge Magazine. Santé, bien-être et longévité au cœur de notre éditorial. Cette saison, The Bridge Magazine partage avec ses lecteurs des astuces scientifiquement prouvées sur la façon d'acquérir et de maintenir la santé et la joie tout au long de 2022, dans le but d'allonger l'espérance de vie. La note d'espoir sur laquelle nous terminions l'année 2021 ne pourrait se concrétiser tout au long de 2022 que si elle s'associe à la joie et l'optimisme pendant l'année. Les récentes statistiques du taux mondial de mortalité liée au stress suscitent des inquiétudes. Selon l'Institut national de la sécurité et de la santé aux États-Unis d'Amérique, je cite, 110 millions de personnes meurent chaque année à cause du stress, c'est-à-dire 7 personnes toutes les 2 secondes. Fin de citation. Ne vous arrachez pas les cheveux pour des problèmes mineurs. Il a été scientifiquement prouvé qu'être anxieux en permanence pourrait raccourcir votre espérance de vie de 17 ans. Le saviez-vous? Un choc émotionnel ou un stress soudain peut être déclencheur de crises cardiaques graves. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Cependant, quelle que soit la gravité de la situation, maîtrisez-vous. Ne faites pas une crise d'angoisse. Si vous avez perdu un être cher, si vous avez perdu votre emploi, si votre fiancé refuse de se marier la veille de la cérémonie, si votre ménage bat de l'aile, si vos derniers résultats académiques ou médicaux vous coupent le souffle, si vous avez perdu une fortune dans une affaire, pas de panique. L'espoir n'est pas la consolation des rêveurs, comme le pensent certains. Loin s'en faut. Pour en savoir davantage et où trouver, acheter un ou plusieurs des 23 livres éducatifs bilingues de la série de Bridge Books de l'écrivaine Rachel Tunia, bien vouloir visiter notre site www.thebridgemagazine.com. The Bridge Magazine souhaite à tous et à toutes la santé, l'espérance, l'allégresse, le bonheur, l'optimisme et la longévité en 2022. Merci. Au revoir.